2019, on l'a vu, une très belle année d'un point de vue indiciel, avec des performances tout à fait solides sur cette année 2019. Un motif de satisfaction pour la financière de l'échiquier, c'est que le stock picking fonctionne très très bien. On le voit avec des surperformances qui sont importantes. Je dirais, de ce point de vue-là, le plus emblématique, le fonds le plus emblématique de notre gamme, c'est Échiquier Major, un autre fonds de grande valeur européenne, qui termine l'année sur une performance de plus 40%, alors que son indice de référence est en hausse d'environ 26%, donc une très belle surperformance. Je dirais, un élément important sur 2019, je pense aussi à mettre en avant, c'est le retour des cycliques. Alors c'est vrai que ça ne se voit pas tout à fait sur la performance annuelle, mais c'est très très clair quand on regarde la performance de notre fonds Échiquier Value depuis, je dirais, la fin de l'été 2019. Il y a vraiment un regain d'intérêt pour cette thématique-là. Par ailleurs, je dirais, je veux aussi souligner la bonne performance de nos fonds diversifiés, entre autres d'Échiquier Arty, qui, du fait de cette bonne performance, corrige une année 2018 qui, on le sait, avait été compliquée sur cette thématique de la gestion diversifiée, qui avait été pénalisée par un marché action, on le sait, qui avait été compliqué, mais aussi par un marché obligataire qui n'avait pas servi, en fait, de balancier. 2019, c'est aussi le retour des flux sur les actions européennes. Je pense qu'il faut le souligner, c'est-à-dire que c'est un phénomène finalement qui commence à se manifester, même si pour l'instant il est assez limité, mais on pense qu'il devrait continuer sur 2020. Et un autre élément que je veux souligner, c'est aussi la continuation de nos efforts et de notre engagement sur la thématique ISR, puisque nous avons, à la fin de l'année 2019, élargi notre gamme de fonds ISR. Bah, 2020 devrait continuer à bénéficier de l'environnement supportif créé par les politiques accommodantes des banques centrales. Je pense que ça devrait aussi bénéficier d'un phénomène qui s'est manifesté dans la deuxième partie de l'année 2019, c'est le point bas en termes d'activité économique, entre autres sur la zone européenne, qui devrait permettre finalement à cette activité économique d'être plus soutenue sur ce début d'année 2020. Et puis, et toujours les fusions et acquisitions, et aussi toujours les flux, hein, puisque en fait, c'est juste le début d'un regain d'intérêt sur les actions européennes après le règlement de toute une série de questions, entre autres le Brexit. Alors, je dirais, sur les valeurs, alors les actions, toujours, bien sûr, hein, et le stock picking, bien entendu, les valeurs de croissance avec une attention particulière quand même, parce que même si elles vont continuer à bénéficier de cet environnement de taux bas qui leur est favorable, on a des valeurs qui ont quand même très très bien performé tout au long de l'année 2019, et là, plus que jamais, la sélectivité va être importante. Les valeurs cycliques nous paraissent devoir continuer à être soutenues, hein, je vous ai remarqué qu'on avait fait un beau parcours sur la deuxième partie de l'année 2019, et on est tellement en retard en termes de valorisation sur ces valeurs là que ce mouvement devrait continuer, tout au moins sur les premiers mois de l'année 2020. Et enfin, sur le crédit, une année qui, encore une fois, avec un risque asymétrique, des taux qui sont très bas, des spreads qui se sont bien réduits, mais qui reste une classe d'actifs importante en termes de diversification et pour mitiger en fait le risque de la sélection. Et donc, toujours une classe d'actifs sur laquelle on investit beaucoup à travers, entre autres, nos fonds diversifiés.